Celle du mois de janvier 2016. Donc c'est une nouvelle année et je vous remercie d'avoir passé toute l'année 2015 en ma compagnie. Donc au niveau des énergies, donc on est dans le signe du Capricorne et le signe a commencé avec le solstice d'hiver, donc le 21 décembre, et puis l'arrivée de l'hiver. Donc on n'en a pas tout à fait l'impression actuellement parce qu'il n'y a pas trop de neige et puis il fait encore un petit peu chaud, mais ça va changer, hein, je pense, courant du mois. Donc le solstice, hein, et ben, c'était le jour le plus long de l'année. Donc maintenant, les jours vont rallonger, on va gagner quelques petites minutes de soleil en plus. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour commencer l'année. Donc on est chez les Capricornes. Alors bon anniversaire à tous les Capricornes. C'est un mois, ce mois de janvier, qui est toujours un petit peu lent. Pourquoi ? Ben simplement parce que c'est le mois qui fait la transition entre la fin de l'année, hein, puisque le signe commence avec les derniers jours du mois de décembre, et jusqu'au 22 janvier. Donc on est à cheval. Et on le sait, avec toutes les fêtes, il y a une partie comme ça où on va se détendre en famille, ou alors c'est un petit peu anxieux aussi, hein, bien sûr. Donc, et puis c'est le temps des vacances, et puis c'est la fin de l'année. Donc il y a l'idée d'un bilan, et puis il y a l'idée de les bonnes résolutions du 1er janvier. Alors on en fait tous, on en a tous, donc c'est un mois, une énergie qui vient nous tourner vers l'avenir et qui va s'installer au fur et à mesure des jours qui arrivent. Alors justement, c'est un mois, comme je vous disais, un petit peu lent. Pourquoi ? La nature, souvent je fais référence à la nature parce qu'elle nous guide et puis elle nous inspire également. Donc la nature, eh bien, au mois de décembre, elle est un petit peu au repos, elle est tranquille, on ne s'en occupe pas et on va dire on attend les premières neiges et puis tout est comme ça, au calme. Alors ça tombe bien parce que on est chez les Capricornes. Alors les Capricornes, bon anniversaire à tous les Capricornes. C'est pas un signe qu'on dit comme ça, enjoué. Hein. C'est, quand on dit je suis du Capricorne, tout de suite on a la petite image de ah, c'est un petit peu austère. Ben, c'est vrai, les Capricornes, c'est un signe de terre. Donc ils sont posés, ils sont calmes. Ce qu'ils aiment, c'est le repos, la tranquillité, la méditation aussi, ça peut être bien. Et puis c'est un signe qui arrive comme ça, les gens qui sont nés avec le mois de décembre et puis début janvier, ils naissent et il fait froid, on va dire. Donc en fait, ils se préparent à un peu la rudesse du climat. Donc
ils sont prévoyants, ils sont observateurs, ils ont un petit peu, bah, comme c'est le signe qui débute l'hiver, ils sont prévoyants. Et donc, ils ont un petit peu une longueur d'avance et ils sont souvent très, oui, prévoyants, prévenants. Alors, ce sont des gens qui sont des fois un petit peu renfermés sur eux-mêmes, hein. Ils n'ont pas la communication facile. Mais ils ont de nombreux atouts. Alors les atouts du Capricorne, bah, c'est justement c'est cette ténacité. Quand ils veulent quelque chose, ils peuvent déployer, eh bien, comme tous les signes de terre, énormément d'efforts et ils arrivent toujours à obtenir ce qu'ils veulent parce que ça fait des très bons boss, comme on dit. Ils ont ça, la méticulosité, l'organisation, la capacité à gérer et prévoir. Donc ils sont aussi extrêmement bons dans tout ce qui va être le matériel et les finances. Et bien nous aussi, en début d'année, on fait un petit peu le bilan de nos finances. Et puis souvent on se projette un petit peu dans l'année. Donc on évalue un petit peu l'ensemble de nos moyens financiers et matériels. Le Capricorne, il a des fois un petit défaut aussi, bah, c'est justement qu'il est capable de se renfermer dans sa tour d'ivoire et voire même de créer un vrai mur. Hein, quand il ne veut pas, il ne parle pas et il se renferme sur lui. Et c'est extrêmement difficile de savoir un petit peu ce qu'il veut. Hein. Il n'est pas prêt au dialogue. Et puis, sous leurs aspects comme ça, ce sont des gens qui sont très anxieux quand même. Donc, ils ont une grande capacité pour travailler, une grande capacité pour réaliser leurs objectifs et puis pour organiser les moyens qu'ils vont mettre en œuvre pour réaliser les objectifs et les envies qu'ils ont. Donc, c'est une énergie qu'il faut savoir prendre et puis peut-être améliorer un petit peu ce côté de communication. Alors, au niveau des transits planétaires, j'ai pris encore quelques notes. Donc, on a eu la pleine lune hein, le 25 qui était en Cancer. Donc le 25 c'était Noël. Donc le Cancer c'est le signe de la famille et c'est le signe qui fait face au Capricorne justement. Donc le Capricorne il est aussi extrêmement tourné vers la famille. Hein, c'est un signe de terre. Donc il veille au bien-être aussi de sa famille. Donc c'est une grande énergie qu'on a tous ressentie. Et comme la pleine lune était en Cancer, il y a pu y avoir un petit peu d'état d'âme. Et puis un petit côté lunatique. Alors, moi, je ne vous ai pas fait tous les transits parce que je me doute qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter des vidéos d'astrologues sur le début d'année. Donc, ils vous diront tout ça. Moi, je vous ai juste noté quelques petites choses. Hein. Donc, on a Vénus qui est en Sagittaire. Et puis, il y a Saturne aussi en Sagittaire. Donc, tout ça, c'est extrêmement bien pour le Sagittaire hein, parce que ça va les booster. Et par contre, pour les Gémeaux qui sont en face, ça leur amène un petit peu de difficultés parce que Saturne, c'est le temps et les contraintes et c'est pas très évident pour eux à gérer. Donc, c'est une période difficile, en particulier en ce début d'année pour les Gémeaux. Donc, on a Mars en Scorpion. Donc ça, Mars, ça va booster un petit peu bah, le Scorpion, bien évidemment, mais aussi le Cancer et puis les signes d'eau. Donc, c'est la capacité d'agir et de séduire. Donc, vous allez voir pendant ce mois-ci que certains signes vont être extrêmement favorisés pour justement séduire, charmer les gens. Donc, c'est peut-être le moment de communiquer aussi au niveau de vos projets et de vos intentions, notamment pour ceux qui ont, dans la vie professionnelle, hein, des bilans de compétences ou des entretiens de début d'année. C'est une période favorable pour ça. Alors, on a aussi un phénomène qui va être là pendant ce mois, c'est Mercure. Alors, Mercure, c'est la petite planète qui bouge, justement, c'est la planète des Gémeaux. Donc, Mercure, il va passer en Verseau le 2 janvier, donc en tout début du mois, mais il va y être jusqu'au 5. Et puis après, il va rétrograder en Capricorne. Alors, vous allez avoir un petit laps de temps, on va dire tout début d'année, pour exprimer vos idées, pour bah justement peut-être faire travailler votre pensée et puis définir vos objectifs. Et puis après, comme Mercure va être rétrograde et redevient en Capricorne, qui est un signe plus fermé, plus terre à terre, eh bien il va falloir attendre un petit peu que la planète repasse. Donc c'est l'idée qu'en début d'année, vous faites vos vœux et vos pensées et vos idées, vous les communiquez. Et après, il faudra peut-être attendre pour que ça évolue.
au cours du mois. Ensuite, nous aurons la nouvelle lune, hein, bien sûr, qui sera en Capricorne le 10. Elle rejoindra donc Mercure et Pluton, donc ça va booster les Capricornes. Ils sont extrêmement favorisés ce mois-ci. C'est une énergie tout à fait dans leur personnalité. C'est un beau mois pour eux, hein, qui leur permet de, eh bien, de profiter de cette lenteur, on va dire. Et puis, pendant ce mois, il y aura certains signes qui vont avoir des énergies, des vibrations qui seront très favorables pour leur vie amoureuse et puis aussi pour les collaborations et la vie amicale. Donc ça va être les béliers, les poissons, les sagittaires, les lions et les verseaux. Alors, essayez d'avoir des amis, ceux qui vont un petit peu moins bien, eh bien, allier des amitiés avec les signes qui sont boostés. Et puis, je voulais vous parler de la carte de coupe de ce mois-ci, parce que, comme le mois dernier, je voulais tirer, et c'est une carte qu'on a déjà vue, donc je ne vais pas vous la décrire, mais c'est une carte qui vous donne tout de suite l'énergie du mois. Donc cette carte, elle s'appelle « Repos et régénérescence ». Donc après les fêtes, hein, souvent, bah, il faut un peu évacuer, il faut régénérer son corps. Donc c'est le moment de prendre des bonnes résolutions, faire du sport, mettre en place des nouvelles activités et s'accorder du temps. Après avoir accordé beaucoup de temps à la famille et aux autres, ce début d'année, accordez-vous du temps. C'est extrêmement l'énergie de lenteur du Capricorne. C'est une très bonne énergie qui permet de récupérer des forces et de refaire le point sur nos idées pour pouvoir se mettre en avant. Et tout ça va être très favorisé à partir, je pense, de la nouvelle lune, le 10-15 janvier. Et on va tout de suite, après on atteindra le prochain signe, mais on verra ça le mois prochain. Donc ce mois-ci, reposez-vous et puis organisez vos pensées et prenez du temps. C'est l'énergie du Capricorne. N'oubliez pas qu'il est tenace, donc fixez-vous des objectifs. Et je vais vous inviter à découvrir les 4 cartes pour tous les signes du zodiaque. Commençons tout de suite avec les signes de feu, donc les béliers, les sagittaires et les lions. Un petit peu dans le désordre, c'est le début d'année. Alors, on a laissé ces différents signes avec une carte qui les montrait un petit peu dans la coupe et ils étaient en train de renaître. Alors ce mois-ci, ils ont une carte qui vient prolonger cette belle énergie de renaissance et qui les place dans la nouveauté. Alors, c'est une très très belle carte pour les signes de feu. Donc cette carte, on ne l'a jamais vue, c'est la 36, le second chakra et l'archange Ariel. Donc on va un petit peu regarder cette carte qui est extrêmement douce, belle, elle est lumineuse. Il y a une belle couleur orangée, hein. C'est la couleur des signes de feu et la couleur du second chakra. Qui est le chakra des énergies ici, tout ce qui est un petit peu sexuel et puis l'idée de gérer aussi l'anxiété et puis la notion des fois de dépression, de perte d'un être cher, de séparation, tout ça vient se focaliser dans le second chakra et c'est extrêmement important que vous focalisez sur ce chakra pour éviter qu'il soit bloqué, bah justement pour retrouver votre lumière et votre capacité à avancer dans la vie. Donc cette carte vous présente le très bel archange Ariel, donc un archange féminin qui a des très très belles ailes dorées, hein. Il y a quelque chose d'un petit peu divin et spirituel dans cette carte. Elle vous parle de créativité et d'intimité. Alors, pour la légende, parce que moi j'aime bien les histoires, et puis on va commencer l'année avec une histoire, eh bien, sachez que l'archange Ariel, lorsqu'il y a eu la chute de Lucifer, s'est vu hériter le droit de porter le feu de Dieu. Donc, on l'appelle Ariel, le feu de Dieu, ou aussi le lion de Dieu. Donc, elle est représentée souvent sous la forme d'une torche flamboyante et on retrouve cette image de torche ici, le côté divin mais également le côté protecteur de ses ailes qui vient parler de l'intimité. Alors cette carte vous demande d'attirer votre attention sur votre deuxième chakra, donc
vous pourrez regarder sur ma chaîne YouTube. Hein. Je mets des fois des vidéos sur les chakras pour travailler et débloquer ce chakra. C'est important pour vous de, d'attirer votre attention sur le fait que lorsqu'il y a un renouveau, une régénérescence, comme vous êtes en train de le faire, et c'est important pour vous, parce que moi j'ai beaucoup de consultations de ces signes actuellement, vous savez que votre vie change et vous avez souvent une énergie, comme j'ai dit, conquérante. Seulement, au fil des épreuves que vous avez pu traverser le mois dernier, vous pouvez être un petit peu bloqué au niveau de ce qu'on dit l'intimité. Donc c'est le rapport avec les autres. Cette carte vous demande de trouver une sorte de zone de confort en vous déjà, mais aussi avec les autres. Peut-être qu'il faut améliorer les rapports que vous pouvez avoir avec vos amis ou des connaissances, des rencontres, et laisser l'amour, parce qu'Ariel vous apporte cette capacité d'amour et d'ouverture envers l'amour. Comme je dis, les gens qui vont trop vite, ils ne laissent pas le temps aux autres de les approcher et de les connaître. Donc, essayez d'ouvrir plus votre cœur, même s'il y a eu des blessures, et même si ce second chakra vient vous parler de difficultés relationnelles, mais également au niveau de l'intimité et de votre sexualité, il peut y avoir des peurs, parce que ce chakra vient concentrer justement l'idée des énergies qui sont à ce niveau-là. Donc, n'ayez pas peur de faire la connaissance des gens, de vous ouvrir, d'être un petit peu plus vulnérable et de ne pas foncer trop vite. Donc, sur cette carte, on retrouve ici hein, l'énergie flamboyante de cet ange, de cet archange, pardon, qui est véhiculé par la terre un petit peu en feu. Et puis, il y a cette sorte de drap, de voile. Vous avez un besoin de vous protéger, mais eh bien, n'accentuez pas l'énergie du Capricorne qui lui aussi se renferme un petit peu et évite de parler. Donc vous, on a l'impression que c'est peut-être un petit peu la peur de faire, peut-être de mal faire. Donc débloquer ces énergies, c'est extrêmement important. Sachez aussi qu'Ariel vous apporte la lumière qui vient illuminer le chemin de la vie. Donc vous avez un moi qui vient vous apporter peut-être des inspirations, peut-être aussi des idées pour sortir de cet état, pour ceux qui sont bloqués et qui peuvent faire un petit peu de dépression nerveuse ou d'anxiété qui est très accentuée, ce qui n'est pas quelque chose que vous arrivez à gérer normalement parce que vous êtes dans l'action. Mais là, c'est un temps de repos. Donc, il faut régénérer vos forces et vous créer un confort. Donc, cette carte vient aussi vous amener à développer une nouvelle créativité, une nouvelle approche de la vie des gens, d'être moins focalisé sur le mental des autres et plus sur leur cœur. Qu'est-ce que eux ils éprouvent? Parce que peut-être vous allez un peu vite et puis vous n'y prêtez pas assez attention. Alors sachez que l'archange Ariel est aussi l'ange des prémonitions. Donc vous pouvez faire des rêves prémonitoires, si je peux dire, ou avoir des visions sur ce que vous allez pouvoir enclencher tout au long des mois. Donc c'est une carte qui vous inspire, c'est une carte qui vous libère, c'est une carte qui vient comme ça vraiment vous illuminer de l'intérieur et vous ramener dans une zone. Quand je dis zone de confort, c'est pas une zone plan-plan ou la routine, c'est pas ce que je veux dire. C'est une zone où vous n'avez plus peur d'être vous-même et peut-être d'ouvrir un petit peu la porte. Donc c'est une grande force qui vient vous accompagner et en particulier, elle vous amène des idées neuves, une nouvelle approche de la vie, une nouvelle approche des gens, des situations. Il faut être extrêmement créatif pour tous ceux qui ont envie ou besoin de projets ou qui sont déjà des créatifs. Sachez que vous serez extrêmement favorisé pendant ce mois. Donc c'est une très belle carte, c'est la 36, c'est l'archange Ariel et je vous ai tiré également une seconde carte. Je vais vite y passer. C'est encore un archange, donc c'est dire combien vous allez être protégé par les énergies. C'est le 7e chakra et l'archange Uriel, donc cette fois la lumière de Dieu. Donc vous avez le feu de Dieu, vous avez la lumière de Dieu. C'est dire combien vous allez être inspiré pendant ce mois-ci.
Et c'est une belle couleur rose, violette et bleu. Donc c'est le septième chakra, c'est vraiment l'inspiration, le génie. Donc tous les signes de feu, vraiment, vous avez un mois porteur, un mois d'idées, un mois de révolution dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui ont changé, vous ne savez pas encore si ça va marcher, vous ne savez peut-être pas encore comment faire. Eh bien, cette carte vous dit débloquez-vous et prenez le relais que vous tend Ariel et redevenez la torche vivante, vivifiante que vous êtes normalement. Il y a une très belle douceur, il y a beaucoup de réconfort. C'est une très très belle carte qui vous propulse et qui remet le feu aux poudres. Vous attendez que ça, eh bien, c'est ce mois-ci que ça revient. C'est la 36, le second chakra et l'archange Ariel. Poursuivons avec les signes de terre, donc les signes vedettes du mois, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc c'est leur mois, hein, donc ils ont une énergie terre. Donc l'énergie terre, c'est une énergie qui nous ramène dans la réalité des choses. Donc c'est une très bonne énergie pour construire, visualiser, organiser, planifier. C'est exactement ce que nous demande ce mois de janvier. Donc le mois dernier, j'ai laissé les signes de terre avec une carte qui a pu les enthousiasmer. Puis en même temps, dans cette carte, hein, vous étiez le magicien. Et ça vous disait que vous aviez la capacité de transformer les situations et puis les rencontres, les relations. C'est-à-dire avancer dans la vie sans avoir trop peur et sans tout cadrer. Alors maintenant qu'on a cette énergie, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien vous allez voir que l'énergie du mois, elle m'a un petit peu étonnée. Mais en même temps, eh bien, comme c'est votre mois, ça renforce un petit peu, on va dire, les petits travers que vous avez. Mais ça va très bien se passer, rassurez-vous. Donc cette carte, c'est la 18, anxiété. Alors comme je vous l'ai dit, les Capricornes, au fond, ce sont des gens anxieux. Et tous les signes de terre, ils ont ça. Hein, par exemple, les signes de terre, ils manquent de confiance en eux. Mais les signes de terre, leur problème, c'est l'anxiété. Parce que c'est pour ça qu'ils balisent le terrain et c'est pour ça qu'ils organisent et c'est pour ça qu'ils aiment bien connaître le résultat des actions qu'ils font pour avancer sereinement. Mais peut-être qu'en ce début d'année, vous allez être un petit peu en proie à quelques anxiétés. Alors, cette carte, on l'a déjà vue, donc je vous la redonne un petit peu pour que ce soit facile à la compréhension. Nous avons une femme, mais ça peut être vous ou un homme, hein, c'est pareil, qui est un peu dans son lit et qui semble réfléchir. Alors, le côté d'anxiété et d'inquiétude est là. Peut-être qu'elle se réveille d'événements passés, peut-être d'épreuves ou de relations, peut-être de déceptions. Mais moi, je vais plutôt dire qu'elle pense aussi. Alors, c'est le mois pour penser à vos projets. C'est le mois pour visualiser comment vous allez construire cette année 2016. Donc vous êtes dans une période de bilan et le Capricorne aime bien faire ça. Comme je dis, c'est un vrai boss. Donc quand on est le capitaine d'une entreprise ou des projets et même des projets personnels dans la vie courante, eh bien on peut être en proie à quelques anxiétés. Donc ce début d'année peut vous amener une période de réflexion, peut-être que vous faites aussi le bilan de cette année 2015 qui a été très marquée par les émotions et peut-être que vous avez évolué et vous avez acquis des nouvelles capacités et vous vous êtes peut-être un petit peu demandé maintenant comment je vais faire et vous êtes dans cette perspective-là. Donc sur cette carte, j'avais attiré votre attention sur la tenture ici qui vient lever le voile sur certaines vérités. Mettre fin à certaines illusions. Il y a l'idée d'affronter la réalité telle qu'elle est et peut-être qu'il peut y avoir encore quelques inquiétudes, quelques angoisses qui sont là, mais comme je l'avais dit en parlant de cette carte, c'est fini. Alors, les signes de terre, comme je l'ai dit dans l'introduction, la famille c'est important pour vous. Hein. C'est pas tant la réalisation social au niveau de ce que vous allez avoir comme argent, que l'idée de protéger les autres, protéger les vôtres, faire en sorte qu'ils ne s'inquiètent pas, et taire vos émotions. Mais l'année 2015 était une année de découverte et vous avez acquis des nouvelles capacités
et puis vous allez gérer beaucoup d'émotions. Donc il faut se remettre de tout ça et puis faire la part des choses. Donc vous êtes en ce début d'année peut-être encore dans la réflexion par rapport à tout ce que vous voulez réaliser. Et moi j'attire l'attention ici sur la troisième fenêtre. Je le dis à chaque fois, mais c'est important, qui est sur l'éclaircie. Donc peut-être que vous êtes comme ce magicien du mois dernier. Vous avancez un peu à tâtons et sans trop savoir quels sont les risques et sans trop savoir comment tout va évoluer. Mais c'est une belle carte qui vous dit qu'il va falloir progresser. Donc il peut y avoir pour certains signes de terre des cassures, des ruptures. Peut-être qu'il y en a qui ont eu des ruptures de contrat, qui ont envie de faire une reconversion, etc. Qui se demandent encore si c'est la bonne voie. Eh bien tout vous dit que oui. Hein. Il faut éviter de se cacher la face aussi. Et quand je dis se cacher la face, c'est par exemple quand on est dans une situation ou un travail qui ne nous plaît pas. Eh bien à un moment donné, il faut réfléchir et se demander qu'est-ce qu'on veut faire. Et peut-être que vous êtes à l'aube de nouvelles avancées, nouvelles découvertes, de nouvelles situations. Peut-être il y a une nouvelle rencontre que vous avez faite et puis vous vous demandez si c'est la bonne. Vous voyez, ça peut être tout ça, mais ça vient renforcer votre côté anxieux. Alors, vous aussi, hein, je vous ai tiré une seconde carte. C'est la carte que j'aime beaucoup. Allez, moi, je suis un Gémeaux. Donc, c'est la 30, le jardin et le portail. Alors, si on conjugue un petit peu ces deux cartes, hein, le magicien, il peut transformer les choses. Mais votre côté terre vous dit, il faut que je réfléchisse. Et puis, ici, vous avez la carte qui vous dit, bah, ça serait peut-être bien d'y aller vers cette lumière qui est ici. Et peut-être je ne devrais pas avoir si peur. Alors ça vient réveiller l'enfant. Pas l'enfant qui est en vous, mais l'enfant anxieux qui, quand il est jeune, hein, les signes de terre, ils sont très, pas scolaires, mais ils sont studieux, ils sont sérieux et ils sont tenaces. Donc ils savent déployer des efforts pour réaliser leurs objectifs. Alors vous êtes en train de peut-être regarder comment réaliser vos objectifs. Et puis ici, avec ce panier, ça vous dit que vous aurez les moyens financiers. Donc il ne faut pas vous inquiéter si c'est des notions financières ou matérielles qui vous arrêtent pour réaliser vos projets. Vous rêvez d'un peu plus de liberté. Peut-être que vous y avez goûté le mois dernier. Et puis, un côté un peu plus harmonieux, un peu plus léger. Quelque chose qui vient vous combler aussi beaucoup. Et cette carte vous dit, ne restez pas non plus à l'aube de changement. Il faut aller voir de l'autre côté. Donc, c'est une belle carte qui vous apporte, qui vous ouvre sur un monde nouveau, un monde où l'anxiété, vous allez parfaitement la gérer. Donc, peut-être qu'elle est accentuée en ce début d'année, hein, mais à partir de la nouvelle lune qui sera en Capricorne, vous allez retrouver vous aussi vos capacités à gérer à la fois le quotidien et à la fois le côté rêve et imaginaire qui vous porte en avant. Donc, c'est quoi ce côté imaginaire pour vous? Ben, ça va être la réalisation d'objectifs. Je ne sais pas, ça peut être organiser vos prochaines vacances, peut-être monter un projet qui vient, ben voilà, qui vient parler à votre âme aussi. Donc, gérez cette période anxieuse. Et cette deuxième carte vous dit, vous avez la sécurité et vous avez la capacité d'aller voir de l'autre côté aussi du portail et d'agir avec un petit peu moins de sécurité. Donc on retrouve un petit peu cette énergie du magicien qui accentue la capacité de concilier à la fois une vie peut-être artistique, spirituelle, quelque chose en plus, hein, comme je dis, des fois un supplément d'âme à votre vie. Il n'y a pas que les moyens, le travail, vous avez envie d'un petit peu, une note plus d'humour, plus d'amour et tout ça. Et vous vous demandez peut-être si c'est le bon moment. Eh bien, je pense que vers la moitié du mois, la fin du mois, je pense que cette petite fille aura le courage d'ouvrir le portail et puis d'aller se promener un petit peu de l'autre côté. Donc faire de nouvelles connaissances, apprendre des nouvelles choses. C'est une belle carte dynamique, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle invite au rêve. Et le rêve, eh bien, c'est le futur qu'on va construire prochainement. Donc, la carte du mois pour vous, c'est la 18. Elle vient accentuer le caractère un petit peu anxieux du Capricorne. Tournez-vous vers vos amis, hein, qui vont vous faire sortir un petit peu de cette torpeur. N'ayez pas peur, les mois prochains, les semaines prochaines vont extrêmement vous éclairer. Vous allez vous dire, ok, peut-être je me fais un peu trop de soucis,
pas pour rien, parce que des fois, il y a des vrais obstacles ou contrariétés. Il va y en avoir, mais elles ne sont pas si dures que ça. Donc, passez un bon mois et n'accentuez pas votre côté comme ça, anxieux, qui vous empêche le côté libre de votre personnalité intérieure et enfantine. On l'a tous, celle-là. Donc, la carte du mois pour vous, c'est la 18, anxiété. Abordons désormais les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc ce mois-ci, on va retrouver une carte que vous aviez eue, je crois, l'année dernière, à peu près à la même époque. Donc je vous invite à écouter cette ancienne vidéo, parce que quand je vous présente les cartes pour la première fois, bah, c'est là que je vous les décris le plus amplement, avec tous les symboles et puis tout ça. Donc, et n'hésitez pas à aller réécouter ces cartes. Donc pour vous, c'est une très bonne carte, même si je sais qu'elle est toujours un petit peu difficile à mettre en pratique. C'est une énergie un petit peu complexe, mais qui vous correspond vraiment parfaitement si vous savez gérer ça. C'est une très très belle carte. Donc cette carte, c'est la 22. C'est le Yin-Yang. Une carte qui dit passé et futur, la logique, la raison et puis l'intuition. Elle vient vous apporter la complémentarité. Donc sur cette carte, la carte de la sérénité, de l'harmonie, de la collaboration, la carte du yin-yang, elle vient vous faire comprendre la nature du cycle de vie. Alors vous qui êtes dans les pensées, c'est une carte qui vous amène de la flexibilité, si je peux dire, dans les pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une carte qui vient allier en vous déjà la capacité de réunir votre passif avec l'actif de la vie. Donc, les pensées et ce qu'on fait. Votre passé et votre futur. Ça a été une année 2015, je disais, de découverte, mais aussi de travail personnel en profondeur. Il y a eu beaucoup de guérison du karma. Donc, maintenant qu'on a guéri, il faut intégrer ce qu'on a compris, ce qu'on a géré, ce qu'on a avancé, ce qu'on a développé et l'intégrer à notre personnalité, à nous-mêmes et puis à nos projets. Alors vous, un signe d'air, vous êtes dans les pensées, vous avez plein de projets, plein d'idées, il y en a toujours plein. Des fois, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout parce que une idée en chasse l'autre. Vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'originalité, mais vous devez apprendre aussi rassembler tout ça. Rassembler vos forces physiques avec vos forces mentales pour créer quelque chose. Cette carte, elle parle de créativité. Elle parle aussi de new beginnings. Alors en anglais, c'est plus facile des fois de comprendre les concepts, parce qu'ils sont raccourcis dans les mots, et puis parce qu'on en entend parler, voilà. Donc c'est un nouveau commencement. Voyez l'année 2016 comme une année de renouveau, mais aussi au niveau de vos relations avec les autres. Profitez de vos capacités à la fois de sensibilité et votre côté rationnel. Comme je dis, des fois c'est difficile d'exprimer nos émotions, mais évidemment que vous en avez, évidemment que vous êtes sensible. Seulement, des fois, vous êtes un petit peu retranché, vous aussi. Donc, l'énergie du Capricorne, qui est une énergie un petit peu dure, vous dit, ne vous isolez pas, ne vous retranchez pas dans votre tour d'ivoire, ne dressez pas un mur avec les autres. C'est une carte qui vient parler de d'intégrer des énergies. Et la vie est une constante remise en question. Et bien sûr qu'on progresse avec des doutes. Et bien sûr qu'on se demande les autres, comment ils vont réagir. Et puis, bien sûr que vous avez beaucoup d'ego, mais vous avez aussi ce manque de confiance en vous. Alors, quand on n'a pas confiance, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on se rigidifie un petit peu et au lieu de laisser l'énergie, qui est l'énergie du yin-yang, eh bien, traverser comme ça, vous traversez et pour recréer quelque chose de nouveau, eh bien, il ne faut pas bloquer. Donc, c'est une carte qui vient parler de collaboration, de créativité, de renouveau. Revoyez votre vie,
Faites le bilan, quitte à faire peut-être table rase de certains comportements, de certains agissements que vous aviez et revoyez les choses. On est au mois de janvier. Le mois de janvier, c'est un mois de repos. Donc, qui dit repos, pour vous, c'est difficile, ça dit les idées carburent. Eh bien, ralentissez vos idées et voyez comment vous allez pouvoir les intégrer à la réalité de votre vie, à vos projets, vous aussi à vos moyens financiers. Alors, comme je l'ai dit en introduction, les Gémeaux, tout particulièrement, ont Saturne qui vient un petit peu les plomber, les contrarier. Et vous, signe d'air, vous n'aimez pas être contrarié et vous avez besoin d'une certaine liberté. Seulement, pour réaliser ce qu'on souhaite, il faut composer. Cette carte parle de ça. Sachez composer avec vos contradictions, avec vos paradoxes, avec votre grande capacité d'imagination. Imaginez votre futur et mêlez-le avec les moyens, les capacités qu'on a. C'est une belle carte qui parle aussi d'union. Voilà, hein. Moi j'aime beaucoup cette carte. Unissez-vous au niveau de votre personnalité. Gérez, comme je disais, vos paradoxes. Et puis le côté éclaté un petit peu de votre personnalité. Et allez aussi vers peut-être une nouvelle façon de gérer vos relations amicales, sentimentales. C'est le moment de trouver un être parfaitement complémentaire avec vous qui a compris aussi cette notion et qui a intégré son passé et puis qui a aussi envie de projets dans le futur. Donc c'est une belle énergie un peu mouvante, un peu impalpable comme ça, qui vous ressemble bien. Alors pour vous aussi, un signe d'air, je vous ai tiré une seconde carte. C'est une carte justement que vous n'aimez pas, mais parce qu'elle attire votre attention sur les finances et puis les contrats. Donc c'est pas une mauvaise carte. C'est une carte qui vient amener une notion de justice et d'équilibre. Alors l'équilibre, c'est exactement la notion qui est véhiculée par cette carte du yin-yang qui parle de trouver l'équilibre dans le mouvement incessant de la vie. Donc cette carte, la carte 6, la carte des contrats qu'on a déjà vue, elle vient mettre un focus sur des connaissances, des informations peut-être à aller chercher dans des livres ou auprès de gens, des spécialistes, hein, des conseillers pour mener à bien des projets. Il peut y avoir aussi des signatures de contrats, il peut y avoir des résolutions au niveau de litiges financiers par exemple. Le Capricorne amène ça, une certaine austérité mais aussi une ténacité. Donc si vous avez des actions en justice en cours, c'est une très bonne carte. Si vous avez besoin de gérer votre budget et puis qu'il y a des choses à négocier au niveau du travail ou au niveau d'investissement que vous souhaitez faire, c'est aussi une très bonne carte. Sur cette carte, il y a aussi l'idée que la justice est aveugle. Donc ne vous aveuglez pas non plus dans vos pensées qui des fois vous mènent un petit peu loin. Il faut regarder la réalité des choses en face et se dire qu'on ne maîtrise pas tout, mais qu'on peut trouver un équilibre. Donc, le focus du mois pour vous, c'est une énergie qui vous amène une sorte de consensus. Un petit peu comme a souvent la balance, hein, la diplomatie. Réglez vos affaires et vos litiges de façon diplomate, c'est-à-dire en règle à l'amiable. On trouve le meilleur parti pris, mais pas que pour vous, pour l'autre aussi. Comme ça, les affaires se règlent plus facilement, et puis vous pouvez passer à autre chose, ce que vous aimez bien faire. Hein. Donc, par exemple, l'exemple que je prends des fois, c'est entre une action, par exemple, au prud'homme, et puis régler un litige à l'amiable, signe d'air, mon conseil, c'est souvent d'aller vers le plus court, parce que sinon, vous allez être embrigadé dans des contraintes et puis des courriers et tout ça, et ça ne va pas vous plaire. Et la carte de Yin-Yang vous dit nouveau départ. Alors, pour avoir un nouveau départ, il faut concilier, trouver des accords, et des accords justes et équitables. Dès que vous allez mettre en pratique ça dans votre vie, vous allez voir que la vie avance beaucoup plus facilement. Donc, c'est à tous les niveaux. C'est par exemple aussi au niveau, comment on pourrait trouver. J'avais l'idée, puis je l'ai perdue. Alors, voilà, par exemple,
ne vous investissez pas trop dans votre vie professionnelle parce que ça vous amène beaucoup de contraintes et vous n'arrivez pas à avoir du temps de loisir, par exemple, pour vous occuper de vos idées et de vos projets. Donc, trouvez un juste équilibre entre les deux. Hein. Ça, c'est par exemple quelque chose d'assez simple, qu'il faut avoir à l'esprit. Vraiment, c'est important. Ne soyez pas non plus que dans vos rêves et vos illusions. Vous avez tendance des fois à perdre du temps parce que vous étirez le temps comme ça. Et puis, vous agissez des fois dans l'urgence. Donc, vraiment, visez des compromis, un équilibre, du bien-être. Ce mois-ci, c'est un mois de repos, c'est un mois de conciliation, c'est un mois pas forcément d'action pour vous, mais c'est un mois de résolution de projets, donc des signatures, des contrats, qui peuvent être des, par exemple, des locations d'appartements, c'est très bien pour vous, chercher une maison, aller chez le notaire, voir des conseillers financiers, et faites-vous aider si vous avez des projets. C'est vraiment une jolie carte qui amène des résolutions, et quand on résout des choses, on peut, comme je dis, on marche dessus et puis on avance plus loin. Et c'est ce que vous dit cette carte. Donc il y a l'idée de solder aussi des choses du passé pour les intégrer à votre personne, et c'est comme ça qu'on grandit, et c'est comme ça qu'on s'élève, et c'est comme ça qu'on réalise nos nouveaux projets. Donc collaborer, c'est aussi l'énergie du mois pour vous, c'est l'énergie du yin-yang, l'équilibre dans le mouvement, en particulier avec des gens complémentaires avec vous. Visez ça et vous verrez que vous aurez un mois de janvier qui sera beaucoup moins austère que ce qui n'apparaît au premier abord. C'est une très bonne énergie, c'est la 22, le yin-yang. Terminons les énergies du mois de janvier avec les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Alors peut-être vous allez être un petit peu déçu quand vous allez voir la carte. Enfin, déçu. Vous aimez bien les émotions, donc vous aimez bien les choses quand elles changent un petit peu. Vous avez une très très belle carte. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être déçu, parce que c'est une très très bonne carte pour vous. Malheureusement, c'est la même que celle du mois dernier. Donc, hein, réécoutez la vidéo du mois dernier. C'est la carte 28, c'est la carte victoire. Donc, vous voyez, c'est pas une si mauvaise carte, mais c'est vrai que, bon, vous pouvez être un peu déçu en vous disant, mince, j'aurais bien voulu avoir une autre carte. Mais c'est une bonne carte, donc on parle d'énergie. Donc, quand ce sont des bonnes énergies, autant qu'elles se prolongent le plus longtemps possible. Donc, cette carte, elle vous parle de victoire, d'un sentiment d'être arrivé à un achèvement et à une satisfaction, déjà de vous-même. Et ça, c'est une carte très importante. Alors, le mois dernier, pour y revenir, vous aviez cette carte, et puis vous aviez une autre carte, qui est justement celle qu'ont les signes d'air ce mois-ci, qui est la carte des contrats. Donc, moi, je vous annonçais victoire, et puis vous vous êtes peut-être dit, « Ah, oui, j'ai eu quelques belles satisfactions, mais en même temps, j'ai dû régler d'autres problèmes, peut-être financiers, légaux, devant la justice ou des contrats, etc. » Et puis du coup, vous avez peut-être un sentiment un peu mitigé. Hein. Donc, c'est la fin d'année. Et puis, on commence une nouvelle année. Donc, il faut vous inscrire dans ce sentiment que, une fois réglés les problèmes, on retombe sur un sentiment de victoire, qui est votre sentiment que vous devez avoir par rapport à l'année dernière, qui était une année de guérison et une année d'émotion. Donc, on peut dire, vous auriez pu être à l'aise, comme ça, si on se dit, voilà, une année d'émotion pour les signes qui sont pleins d'émotions et de ressentis, formidable. Ah, vous avez vu, et on l'a tous vu, qu'au fil des mois, vous avez eu, vous, des hauts et des bas, et des épreuves, et des choses un petit peu destructrices aussi. Et puis, à chaque fois, vous avez remonté la pente. Donc, quand on fait ça plusieurs fois dans l'année, c'est un petit peu épuisant, et donc, vous allez peut-être avoir besoin de cette énergie du Capricorne et de l'énergie de la carte de coupe qui vous dit repos et régénérescence. Mais c'est une carte qui parle de vous. C'est une carte qui vient affirmer votre féminité, mais aussi votre pouvoir intérieur. Ce pouvoir que vous avez d'être sensible, de ressentir les choses, d'inspiration, des fois de prémonition, hein, vous avez des dons. Vous avez des dons de guérison souvent. Donc, puisqu'on est dans le repos et la guérison, c'est justement un mois. Moi, des Capricornes, comme je dis, il est à cheval dans l'année. Donc, à la fois, il y a cette partie de bilan, et puis à la fois du renouveau.
Donc, mon conseil pour vous, ça va être, au lieu peut-être de vous concentrer sur ce qui ne marche pas tout à fait, regardez tout le parcours que vous avez parcouru cette année 2015. Et déjà, ayez une belle satisfaction des victoires personnelles et des victoires que vous avez remportées sur les autres, sur les événements, sur la capacité de vous relever à chaque fois qu'il y a eu eh bien, des coups bas ou que vous avez été déçu, les désillusions, tout ça vous marque. Mais il faut penser tout ça. Voilà. Il faut penser et cicatriser pour se tourner résolument vers l'année 2016 et. Cette carte vous promet des succès. Donc, c'est une très très belle carte. C'est une carte qui met en valeur votre sensibilité, votre intériorité et capacité d'intériorisation des soucis. Donc, allez un peu moins dans les émotions et dites-vous que cet atout que vous avez par rapport aux autres vous apporte aussi la douceur de savourer un sentiment peut-être de victoire, peut-être parce que vous gérez mieux les choses, les événements, parce que vous avez guéri aussi de votre passé et émotionnellement ça a pu être très dur. Donc pour vous aussi, je vous ai tiré une seconde carte et cette carte parle de succès et de victoire. Et la seconde carte, je sais qu'elle va vous faire plaisir. C'est une carte qu'on a déjà vue mais il y a très longtemps. C'est la 14 et qui s'appelle Caring Connection. Donc, les relations qui prennent soin. Donc, généralement, les signes d'eau, vous prenez soin des autres. Et c'est un petit peu plus dur pour vous de prendre soin de vous. Hein, parce que les émotions, elles peuvent être aussi des émotions un petit peu négatives, de souffrance, d'anxiété, vous aussi, peut-être de désillusion, peut-être de déception. Des souffrances, quand vous souffrez vraiment profondément. Et c'est un mois de repos et de pour se régénérer. Donc il faut apaiser tout ça. Et pour cela, vraiment regarder le chemin parcouru. Alors, quand vous n'arrivez pas à faire la part des choses, ou vous avez des angoisses qui vous submergent, parce que l'émotion, ça submerge, tournez-vous vers des autres personnes qui prennent soin de vous. C'est ça que dit la carte. Donc déjà les amitiés. Mais plus que ça, évidemment, vous l'avez reconnu sur la carte, c'est l'idée d'un couple, de trouver un partenaire amoureux, quelqu'un qui vient prendre soin de vous, qui vous entoure, qui vous protège, qui vous permet d'être une femme tranquille, sereine, quelqu'un qui vous regarde, qui est attentionné, quelqu'un qui vous prend dans ses bras et vous offre des fleurs. Bon, évidemment, c'est un petit peu idyllique, mais vous aimez ça, le côté un peu romance et puis idyllique des situations. Donc, la vie, là, comment vous dire? Pas la vie, mais ce qui compte pour vous, ce sont les relations et l'interaction que vous avez avec les autres. L'argent, vous en avez, c'est pour dépenser, c'est pour vous faire plaisir, c'est pour offrir des choses aux autres. Vous aimez ça, vous aimez prendre soin des autres. Ce mois-ci, acceptez que les autres viennent aussi vous protéger, vous conseiller, vous apporter du réconfort. Peut-être qu'ils ne sont pas comme vous, peut-être qu'ils n'ont pas la même façon de l'exprimer, mais ils sont attentionnés. Il faut, avec cette carte, se dire et comprendre qu'il y a des gens qui sont près de vous et qui sont attachés à vous, qui vous apportent ce qu'ils peuvent, si je peux dire. Ou qui l'expriment peut-être mal, mais qui sont là et qui ont envie que vous vous sentiez bien dans leurs bras, donc dans la relation que vous avez avec eux. Donc c'est une belle carte qui vient, comme je l'avais dit en introduction, parce que en plus Vénus est en Scorpion, donc Vénus c'est l'amour, c'est les désirs, c'est les envies. Donc elle vient énormément accentuer le domaine amoureux et sentimental. Et puis quand je parle de ça, je dis aussi, essayez d'aller vers des situations et des relations que vous aimez, avec des gens que vous aimez. Vous avez cette énergie comme ça de soin et vous êtes, je l'ai dit, des fois des éponges. Donc, au lieu de garder auprès de vous des gens qui viennent vous déverser un petit peu leur négativité ou leurs doutes et tout, eh bien,
n'allez que vers des gens qui sont doux envers vous et qui vous rassurent et qui vous protègent et qui vous font sentir cette femme digne, sereine. Donc, il faut faire peut-être le tri dans certaines relations et certaines situations. Donc, c'est le moment pour vous de vous tourner sur, pareil que tous les autres signes d'ailleurs, un bilan sur où vous en êtes dans votre vie et quelles sont les relations qui comptent, celles qui vous apportent du réconfort, qui vous aident à vous épanouir, qui ne vous déstabilisent pas trop dans la négativité. Ça, c'est important. Et puis, pareil au niveau professionnel, financier, aller vers des choses douces et agréables, vous en avez besoin, vous aimez ça. Donc c'est un mois plein de promesses, c'est un mois aussi où vous allez avoir des résultats, si vous passez des entretiens, ça va pas très bien se passer. Mais justement, dirigez-vous vers des relations où les collègues sont agréables aussi. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et émanez de vous la douceur et votre grande capacité de sensibilité, c'est un vrai atout, votre ressenti et vos émotions. Donc c'est un moi qui vient vous empêcher d'être submergé par le côté un peu plus austère du Capricorne. Laissez-vous envahir par beaucoup de sérénité et guérissez vous aussi vos blessures. Et puis bien sûr, pour beaucoup de signes d'eau, c'est la promesse d'une relation qui va prendre place, soit une rencontre, soit une relation qui se renforce. Quand on dit caring, c'est vraiment prendre soin. Donc c'est plus qu'un flirt, c'est vraiment une relation qui s'installe et qui est assez agréable. Donc ça peut toucher les amitiés, les relations avec les membres de votre famille. Bon, c'est sûr, pendant les fêtes, il y en a beaucoup, donc vous allez être très rassurés. Mais au-delà du mois de ces fêtes, pendant le mois de janvier, comptez sur les gens qui vous entourent et qui vous aiment. Collaborer, apprécier la douceur des autres pour avancer dans la vie. Et vous allez voir que comme ça, vous pourrez vous aussi compter les victoires parce que les énergies douces vous sont bénéfiques. Donc c'est une très très belle carte pour vous. C'est la carte 28, victoire. Redécouvrons les 4 cartes pour ce mois de janvier, donc le premier mois de l'année, hein, premier mois de l'hiver. Donc pour les signes d'eau, la très belle carte, c'est la 28, c'est la carte victoire, donc une carte d'achèvement, de succès. Comptez sur de belles réalisations, s'il y a eu des succès, ils vont se prolonger. Vous êtes sur une voie, je ne vais pas dire grandiose et large, mais vraiment, ayez la sérénité de vous dire que vous êtes sur la bonne voie, vos ressentis vous guident et tournez-vous vers des gens qui vous apportent beaucoup de douceur et qui vous font sentir une belle femme, une femme pleine d'or, sereine. Intériorisez vos émotions et soufflez. C'est un beau mois pour vous. Je pense que vous aurez des nouvelles très rassurantes et puis des résultats concrets aussi au niveau de votre vie professionnelle et financière. C'est un très beau mois, c'est la carte 28, victoire. Pour les signes d'air, donc la carte c'est le yin yang, donc une carte formidable pour vous, si vous savez la gérer, c'est une carte de collaboration, c'est une carte d'union, c'est une carte pour concilier les paradoxes en vous, c'est une carte qui vient amener du mouvement et Dieu sait si vous aimez ça. Donc moi je trouve qu'il y a le symbole de la terre, il y a aussi le côté spirituel, terrestre, le passé et le futur, c'est une très très belle carte pour vous, une carte qui peut être aussi à l'aube de nouvelles aventures, un renouveau dans la complémentarité. Vraiment alliez-vous avec des gens qui vous comprennent et qui vous stimulent. C'est exactement ce que dit cette carte, c'est la 22, le yin-yang. Pour les signes de terre, c'est un petit peu plus complexe. Alors cette anxiété qui va surgir hein, avec cette carte 18 vous laisse un petit peu perplexe et un petit peu seul. Eh bien évitez de l'être trop, tournez-vous vers des signes, justement hein, les autres qui sont plutôt sur une pente positive parce qu'ils s'occupent un petit peu moins l'ambiance un peu froide de ce mois de janvier. Hein. Donc tournez-vous vers eux, ne soyez pas inquiets pour vos futurs projets et les projets futurs si je peux dire d'ailleurs. Les émotions sont passées, les choses qui devaient disparaître dans votre vie sont à évacuer. Il y a de très belles réalisations dans les prochaines semaines. Sortez un petit peu de l'anxiété que vous vous nourrissez vous-même. Parce que vous aimez contrôler, eh bien, le mois dernier, vous avez appris
avancer sans tout contrôler, bah, peut-être qu'il y a un petit pic d'anxiété et d'inquiétude, mais ça va vite passer. C'est la carte 18, anxiété. On va terminer avec les signes de feu. Donc c'est une très très belle carte aussi pour eux. C'est le second chakra et l'archange Ariel qui vient vous apporter des prémonitions. Peut-être l'idée d'un vrai renouveau qui vous aide à débloquer les choses intimes et puis vous offrir une zone de confort. Cette carte vient vous réconforter et vient rallumer la torche vivante que vous êtes. Vous êtes les signes qui apportaient l'énergie aux autres. Et bien pendant ce mois de janvier, recomposez vos forces et faites appel à cet archange pour débloquer des choses au niveau peut-être de vos émotions ou des peurs aussi. Hein. Le second chakra, ça peut être aussi des peurs. Donc, ayez moins peur de vous livrer, de vous ouvrir et vous allez bénéficier de l'ouverture de ce second chakra extrêmement bénéfique qui vient vous rallumer de l'intérieur. Le feu de Dieu est à portée de main. Saisissez-le et avancez pendant tout ce mois de janvier. On va bientôt être chez les béliers. Donc, vous allez pouvoir retrouver votre capacité d'investissement et d'action. C'est un très beau mois pour vous. C'est un mois plein d'énergie. C'est la carte 36, le second chakra et l'archange Ariel. Évidemment, comme d'habitude, je vais vous inviter à redécouvrir ces quatre cartes du mois sur mon site internet, donc www.gislaine-voyanceastro.com. N'hésitez pas à parcourir mon site et les différentes rubriques. Vous y trouverez également toutes mes coordonnées pour prendre des rendez-vous et des consultations par téléphone. Il y a plusieurs tirages aussi, donc c'est le début d'année. C'est peut-être le moment de faire le point sur vos projets, vos intentions et puis de regarder un petit peu comment va se dessiner votre avenir professionnel, sentimental. La santé, je l'aborde aussi. La maternité aussi. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je serai ravie de vous renseigner. Et sachez que ces énergies sont des énergies générales pour les signes. Mais c'est très important également d'aborder la particularité de notre situation et de votre personnalité. Donc, n'hésitez pas à me consulter. Je voulais aussi remercier toutes les personnes, bien évidemment, qui m'ont fait confiance pendant toute l'année et qui, j'espère, m'accompagneront pendant toute l'année 2016. Donc, je vous remercie aussi pour toutes vos délicates attentions, votre gentillesse, vos commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Et du coup, je vous invite, bien évidemment, je le dis, de me rejoindre sur ma page Facebook. Vous tapez Ghislaine Herry et vous tombez sur ma page. Je mets souvent des vidéos, des commentaires astrologiques, etc. Là, je n'ai pas le temps de développer tous les courants, les positions des planètes et tout. Mais sur ma page Facebook, il y a beaucoup de posts. Et puis, c'est une façon de prolonger les voyances et puis de collaborer ensemble pour avancer dans la vie et faire en sorte de partager encore plus les liens que nous développons et que tout au long des consultations. Donc, je serais ravie de poursuivre ces liens avec vous tout au long de l'année sur ma page Facebook. Donc évidemment, je vais vous souhaiter une très belle année 2016. Je vous ferai bientôt une vidéo sur les vœux pour vous donner un petit peu les énergies qui vont être dans cette année. Je vous invite à me retrouver le mois prochain pour de nouvelles prévisions. C'est un mois de repos, c'est un mois pour prendre le temps. Donc prenons le temps de nous remettre de tout ce qui s'est passé l'année dernière afin de nous tourner résolument dans cette nouvelle année 2016. Qui va être une année de transformation. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Au revoir, une très belle année pour vous. Au revoir.